Timothée va à l'école. Pour Jennifer et Karen H. Timothée va à l'école. Rosemary Wells. La mère de Timothée lui fait une salopette toute neuve pour la rentrée des classes. Formidable! S'écrie Timothée. Timothée part à l'école avec sa salopette neuve, son livre neuf et son crayon neuf. Bonjour, dit Timothée. Bonjour, dit la maîtresse. Timothée, dit la maîtresse. Voilà Claude. Claude, voilà Timothée. Je suis sûre que vous allez être très amis. Salut, dit Timothée. Personne ne porte une salopette au jour de la rentrée, dit Claude. Ding! Pendant toute la récréation, Timothée espère que Claude va tomber dans une flaque d'eau. Mais il ne tombe pas! Ding! Quand Timothée rentre chez lui, sa mère lui demande. C'était bien l'école aujourd'hui? Personne ne porte une salopette neuve le jour de la rentrée, dit Timothée. Je te ferai une jolie veste neuve, répond sa mère. Ding! Le lendemain, Timothée porte sa nouvelle veste. Salut, dit Timothée à Claude. Personne ne met une tenue de soirée le deuxième jour de classe, dit Claude. Ding! Toute la journée, Timothée espère que Claude va faire une bêtise, mais il ne la fait pas. Ding! Quand Timothée rentre chez lui, sa mère lui demande. C'était bien l'école aujourd'hui? On ne se met pas en tenue de soirée le deuxième jour de classe, dit Timothée. Ne t'en fais pas, répond sa mère. Demain, tu seras habillé comme tout le monde. Ding! Le lendemain, Timothée va en classe avec sa chemisette préférée. Regarde, dit Timothée, tu as la même chemisette que moi. Non, dit Claude, c'est toi qui as la même chemisette que moi. Ding! À midi, Timothée espère de toutes ses forces que Claude se retrouvera tout seul pour le déjeuner. Mais Claude n'est pas tout seul! Ding! Après l'école, Timothée est introuvable. Où es-tu? L'appelle sa mère. Je n'irai plus jamais à l'école, dit Timothée. Et pourquoi? Demande sa mère. Parce que Claude est le mieux habillé, le meilleur en tout, et que toute la classe l'aime, répond Timothée. Tu te sentiras mieux dans ta tenue de rugby, dit la mère de Timothée. Ding! Mais Timothée ne se sent pas mieux dans la tenue de rugby. Ce matin, là, Claude joue du saxophone. Je ne peux plus la supporter, dit une voix à côté de Timothée. Ding! C'est Violette. Tu ne peux plus supporter quoi? Demande Timothée à Violette. Sophie, dit Violette.
Elle chante, elle danse, elle compte jusqu'à 1000. Elle est assise juste à côté de moi. Ting! Pendant la récréation, Timothée et Violette restent ensemble. Et dire que tu étais là depuis la rentrée, remarque Violette. Veux-tu venir à la maison après la classe et manger des crêpes avec moi, demande Timothée. Ding! Sur le chemin du retour, Timothée et Violette rient tellement de Claude et de Sophie, qui s'en ont tous les deux le hoquet. Ding!